Lola guitar, Abba, Sola, Lola guitar.
makasi. Yoka lisusu, ale ndansa ngole za makasi. Ale ndalo bolo. Est-ce qu'on peut applaudir pour ceux qui ont les souffles? Démonstration des danses, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut applaudir pour moi, s'il vous plaît? Merci beaucoup, cher public. Merci à vous tous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, sur MyDiabou TV et sur l'ensemble de nos chaînes partenaires.
bienvenue à cette soirée qui s'annonce merveilleuse, magnifique et surtout inoubliable. Cette soirée restera marquée dans les annales de Majabu Talent. Et pour vous la présenter, mesdames et messieurs, je ne serai pas seul ce soir. Je serai accompagné de la magnifique maman. Grâce à Eka, que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir Job. Bonsoir Maman Grâce et très très heureux de vous retrouver ce soir encore. Également Job. Bonsoir chers téléspectateurs. Est-ce que vous allez bien ce soir? Je suis également heureuse d'être avec vous ce soir. Alors l'ambiance est tellement chaude ici à Pamoja, mais il faut dire que la tension est également forte du côté des candidats. Parce que comme vous le savez, il ne reste plus que 24 talents et 12 seulement, eh bien, entendez bien, 12 seulement devront franchir la porte de la grande finale. Comme Maman Grâce vient de le dire, vous l'avez certainement compris, cher public, 12 vont être débarqués de la compétition et 12 autres devront être qualifiés pour la soirée du 20 février. Je répète, la soirée du dimanche 20 février, soirée à laquelle interviendra la grande finale de la première édition de Majabu Talent. Mais avant que nous ne puissions aller trop loin, je veux inviter les docteurs Prosper Kianonga pour la prière d'ouverture. Sous vos applaudissements, les docteurs Prosper. Père Céleste, nous bénissons ta présence ce soir en cet endroit. Ô Dieu, être admis dans ta présence est un privilège. Nous voulons apprécier ce temps. Nous voulons, Seigneur, qu'au-delà de cet aspect de compétition, nous voulons profiter de ce temps de louange et d'adoration. Oui, Seigneur, tous ces talents, cette génération que tu as mise à part pour impacter le monde avec la grâce que tu as mis en eux. Nous voulons, Seigneur, compter sur toi et nous voulons croire que du début à la fin, tu conduiras ce temps de culte, ce temps de production, ce temps d'élévation de ton nom. Bénis toutes choses du début à la fin, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comme vous le savez, à chaque prime, nous sommes honorés par la présence des artistes qui nous bénissent à travers leurs chants et avec qui nous passons certainement des bons moments de louange et d'adoration, des très bons moments dans la présence de Dieu. Et pour vous, ce soir, Pamoja, nous accueillons la sœur Esther Akawa. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Oh. Yaya nanga, ah Yesu, eh. Yaya nanga, ah Yesu, eh. Molo beli nanga, ah Seyo. Zambe nanga, ah Yesu, eh. Yeah.
ok, soit. Maman Esther Akawa pour ces moments merveilleux qu'elle nous a permis de passer et ces chants qui traversent les générations. Nous sommes énormément bénis, comme Maman Grace l'a dit au départ, de passer des moments comme ceci avec eux. Et nos candidats, vous le savez, pour être évalués après leur prestation, font face à un jury exceptionnel qui fait le travail avec impartialité et avec excellence. Pamodia, ce soir, je vous prie d'accueillir l'ambassadrice Sandra Mbouyi, le pasteur Lode Lombo, l'ambassadrice Rosny Kaiba et l'ambassadrice Deborah Lukalu.
Et les ambassadeurs sont accompagnés des coachs Sylvain Kachila ce soir, coach Michael Bounzama, le pasteur Yannick Toumba, sans oublier dans les coulisses un duo qui fait un travail exceptionnel, ce sont les coachs vocaux, la coach Harley ainsi que le coach Steve que nous saluons ce soir. Et comme nous l'avions annoncé sur nos affiches sur les réseaux sociaux, ce soir nous serons honorés par la présence de notre grand artiste, Pamodia, juste pour l'accueillir. Je vous prie d'accueillir avec des ovations particulières Papa Koulmatopé. Ça fait plaisir d'avoir des artistes comme eux. Une légende dans le gospel congolais. Et le public chante pour vous. Ah oui, c'est comme ça qu'on accueille à Pamodia. C'est chaleureux et c'est plein d'amour. Un très bon cantique qui a beaucoup marqué le public. Bonsoir, Papa Cool. Bonsoir. Avant que l'on puisse vous entendre, parce que je sais que nous sommes tous pressés pour vous entendre, mais avant que le moment n'arrive, est-ce que vous pouvez donner votre avis par rapport à Maja Boutalent? Est-ce que vous pensez qu'il y a une relève qui est en train de naître en ce moment? Une nouvelle génération des musiques gospel en République. Une fois de plus, bonsoir. Et très, très, très honoré par les organisateurs, toute l'équipe qui dirige Majabou. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour répondre à la question, je crois que c'est ce qu'il fallait. Je crois qu'au tout début, on a eu. C'était pas facile, c'était un combat. On s'est battu avec les moyens qu'on avait pour essayer de relever les standards du gospel en RDC. Et je crois que Majabou a accompli cela. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Parce merci beaucoup. C'est une vision. Vous êtes ici en RDC, vous ne savez pas ce qui s'est passé à l'étranger. Majabo a dépassé les frontières de la RDC. Vous êtes suivi en Afrique, vous êtes suivi jusqu'en Europe, jusqu'aux Amériques. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et bravo à vous-même pour l'excellent travail que vous accomplissez pour la gloire de Dieu. Alors, Papa Cool, une deuxième question que nous aimerions vous poser ce soir. Quel est le message que vous pouvez donner à tous les candidats? Puisque c'est une compétition, il y a de ceux-là qui vont continuer, mais il y a de ceux-là qui vont quitter. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir? Beaucoup de courage, et qui travaille, mais bon, c'est juste un concours. Ça ne s'arrête pas ici, mais ça commence. C'est ici que ça commence. Pour ceux qui sont éliminés, ne pensez pas que c'est la fin de toute chose, mais c'est plutôt le commencement. Félicitations à vous d'avoir participé. Et c'est maintenant que Majabou a été comme une sorte de rampe de lancement. Maintenant, vous êtes lancé. Alors, pour ceux qui sont encore là, beaucoup de courage. Travaillez. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'on peut applaudir pour Papa Cool pendant qu'il regagne sa place? Merci, Papa Cool. Nous allons vous retrouver tout à l'heure pour passer avec vous des moments excellents et agréables. Ce soir, c'est la soirée du Prime 6 de Majabou Talent. Cette soirée est placée sous la thématique duo. Ça veut dire que nos merveilleux talents vont devoir se partager le podium et exécuter un chant ensemble. L'un va faire un couplet et l'autre en faire un deuxième. Au finish, produire quelque chose d'agréable et de merveilleux, n'est-ce pas, Maman Grâce? Oui, Job. Et ce que j'aime avec le duo, c'est que les artistes des différents univers nous proposent et chantent de très, très belles chansons. Et si vous voulez voir votre candidat aller en finale, vous savez ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut voter et voter massivement. Certes, le jury a 60% des votes, mais le public en a 40%. Et comment faire pour que vous puissiez voir votre candidat continuer cette course? La réponse dans cet élément que vous propose la technique. Pour voter votre candidat Majabou Talent en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Téléchargeons l'application Majabou Talent sur App Store ou Play Store.
Rendez-vous sur www.majabutalin.com à partir de votre téléphone, tablette ou ordinateur. Cliquez sur « Votez votre candidat ». Vous serez dirigé sur la liste des candidats. Faites votre choix sur le nombre de vote et la devise. Cliquez sur « Payer ». Une fenêtre va s'ouvrir. Allez sur « Créer votre compte ». Donnez toutes vos informations, ensuite validez sur « Inscrire ». Une fois l'opération réussie, vous recevrez une preuve de confirmation de votre vote. Majabu Talent, let's share the dream. Vous regardez Majabu Talent, la plus grande et la plus belle compétition des découvertes des talents de la musique gospel en République démocratique du Congo. Ce soir, c'est la demi-finale. Et le dimanche 20 février 2022, c'est le tournage, l'enregistrement de la grande finale de l'édition 1 des Majabu Talent. Effectivement, Job, et donc ce soir plus que jamais, les candidats ont besoin de vos votes. Certes, ça sera très difficile de les départager, surtout qu'après tous ces mois, il faut dire quand même qu'ils ont acquis beaucoup d'expérience et fourni beaucoup d'efforts. Donc, il faut dire que la grande tâche vous revient pour que vous puissiez les départager, car le prime de ce soir est très capital. C'est le prime de tous les enjeux. Merci, Maman Grâce. Et donc, pour ouvrir la première partie de cette soirée, mesdames et messieurs, cher public, embarquons dans Congo Airways. Serrez vos ceintures, direction les Kivu. Nous allons retrouver deux candidates merveilleuses. Nous commençons par Goma, où nous retrouvons Alice Moussavouli. Ensuite, traversons les lacs Kivu, allant à Bukavu et retrouvons Olga Grâce Assoumani. Le premier duo de la soirée, Olga Assoumani et Alice Moussavouli, sous vos applaudissements. Oh,
belle soirée. Eh ben, c'était l'ouverture du Prime 6, la demi-finale de Maja Boutalent. À ma droite, Alice Moussavouli. À ma gauche, Olga Grasse Assoumani. Ambassadrice Déborah, quel est votre avis? Alice, Olga, je veux le dire encore, vous avez tapé! Mais quelle justesse! Vos voix, vous avez été phénoménales. Pour moi, vous êtes les meilleurs, je dois le dire. I love you guys et je vous souhaite que le Congo puisse vous voter afin que vous ayez jusqu'au bout. Oh my God! Merci beaucoup, ambassadrice Alice et Olga. Vous êtes en demi-finale de cette compétition Maja Boutalent. On doit rappeler que vous êtes venu de très loin. Je vais commencer par toi, Alice. Quel message tu as à adresser à tous ceux qui te regardent en ce moment à travers le monde? Le message que j'ai à donner à tous ceux qui me regardent et tous ceux qui sont là présents, c'est que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que c'est par la grâce de Dieu que je suis là maintenant. C'est également grâce à vous, car Dieu n'allait pas descendre lui-même pour voter pour moi, pour me soutenir, mais il est passé au travers de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci Alice. Olga, quel message as-tu à adresser aux enfants des Bukavu, du Sud Kivu, de la RDC entière et ceux qui te regardent à travers le monde? Jambo! Merci, Michi! Kuriviasire! Laissez-moi merci, Kubatiote Abukavu, Benyewalini soutenir depuis Mwanzo, Mpakaapa. C'est grâce à vos efforts, vos prières et vos votes que nous sommes là. Merci, merci, I love you! Merci beaucoup, chers candidats. Comme elles l'ont dit elles-mêmes, c'est grâce à vos votes qu'elles sont arrivées jusqu'ici. Elles sont à un pas de la finale et elles ont encore besoin de vos votes. Vous savez comment faire pour voter. Il suffit d'envoyer le numéro de votre candidat préféré au 433 via Orange ou Africell et voter pour vos talents préférés. Le prochain duo qui va venir sur ces stages est un duo d'adorateurs. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Charité et Rabi. Como Isa Nanguia, como
na mbongo yawe yangoza yangoza On les applaudit encore très fort, s'il vous plaît. On sent que nous avons entamé les derniers virages de la compétition. Ça peut se sentir au travers des prestations. C'était Rabbi Mouya et Charité Nguessera. Maman Sandra, quel est votre avis? Quelle atmosphère, Rabbi. Je prendrai les paroles de l'ambassadrice Rosny. Ce que tu as, tu dois vraiment le garder, très jalousement. Et aujourd'hui, j'aimerais dire la même chose pour Charité. Ce que tu as, tu dois le garder jalousement. Deux cœurs d'adorateurs, et on le sent dans la salle. On sent cette charge dans la salle. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Maman Sandra. Chers amis, je vais commencer par Rabbi. Je te donne l'opportunité depuis le début de la compétition. Tu n'as rien dit. Et là, je te donne l'opportunité de t'adresser à ton public. Merci beaucoup. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, premièrement, je tiens à remercier Dieu pour son amour et à vous remercier. Chaque jour, je lis vos messages, je vois des témoignages et je sens l'amour que vous portez envers moi. Voilà pourquoi je tiens à vous remercier. Merci pour votre soutien et je vous demanderai de continuer de voter pour moi. Donnez-moi cette chance d'aller plus loin dans cette compétition. Merci beaucoup. Merci, Rabbi. Charité, nous t'autoa béni. Quel message as-tu à adresser au monde? Merci beaucoup, papa. Je vais profiter de parler à Swahili. Nashukuru sana jamaa yangu yote ya Esther. Na familia yangu yote ambao napatikana kwa Kinshasa. Ni kazi kubwa ambao mko munatenda. Na ninawapenda sana. Sacrifice yenu haizi kufa bure. Mungu iko anayasikia. Nawapenda sana. Asante Charité. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux pendant qu'ils regagnent leur place dans les backstage? Je vais vous présenter à présent un duo Moko Yakokamwa. Vous allez comprendre pourquoi je les appelle un duo Yakokamwa lorsqu'ils auront presté. Mesdames et messieurs, Rodi Mabiala et Naomi Kianonga, sous vos applaudissements. Yes.
Prestations ce soir de Rodi et de Naomi. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour les encourager? Alors, Pasteur Lode, que dire de cette interprétation, d'autant plus que vous êtes un amoureux de la rumba? Merci, ma bonne grâce. Non, il faut dire que la complémentarité était vraiment là entre les deux. Ça se voit qu'ils ont, ils se sont bien suivis. Et maman, grâce à chaque fois que Naomi preste, c'est moi qui parle. C'est comme si vous vous entendez avec Chop. C'est une coïncidence, hein. Ok, d'accord. Mais Naomi, j'ai bien aimé te voir dans un autre registre. Je sais que ça, c'est le domaine de d'Umbiaka, mais j'ai bien aimé t'écouter dans un autre registre. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Magnifique travail. Et un petit clin d'œil au Bivis. Vous êtes formidables. Alors Naomi, quel est le message que tu vas faire passer ce soir à tous ceux qui sont en train de te suivre? Déjà, je voudrais remercier ces merveilleux peuples. Merci à vous tous qui me soutenez jusqu'ici. C'est pas évident. Vous puisez dans votre trésor pour me permettre de poursuivre cette aventure. J'en suis vraiment reconnaissante. Et si vous voulez me voir aller loin dans cette compétition, je vous demanderai de me voter. Je suis le numéro 27. Voilà. Merci Naomi et Rodi. Shalom peuple de Dieu de partout dans le monde. Alors, je viens au travers de vous vous dire un grand merci. Merci pour votre soutien. Je vous prie de me soutenir. Si vous voulez me voir aller loin dans cette compétition, alors votez le numéro 48, votre frère Rodi Mabiala. Je vous aime beaucoup. Voilà, vous l'avez compris. Si vous voulez voir vos candidats continuer cette belle aventure et aller en finale, une seule chose à faire, c'est de voter et donc de voter massivement. Merci à toi, Naomi, et merci à Rodi. Et pendant qu'ils regagnent le backstage, nous acclamons pour les encourager. Et le prochain duo à prester pour vous ce soir en demi-finale, je vous présente Ruth Kimongoli et Grace Chimanga. Chez Malaika Ranch, nous livrons chaque semaine des paniers issus de l'agriculture biologique, locale et durable. Tous les jours, nous sélectionnons les meilleurs produits bio et en saison de notre ferme. Et si nos clients ont un grand sourire quand ils reçoivent nos paniers, c'est parce que nous attachons autant d'importance au goût de nos produits qu'à la présentation. Cette semaine, découvrez notre panier de fruits et légumes extra frais, livrés directement à votre domicile. Well, do you live in America or anywhere around? Enfin, Majabu Gospel is coming to you. Yes. Majabu Gospel is coming to your town. Pour la toute première fois avec ces artistes
ambassadeur. Trois dates à retenir. On the 27th of February, we're going to be in Washington, D.C. for an amazing and exciting and life-changing experience. Le 6 mars à Dallas. I am excited. I cannot wait to praise and worship with you like never before. Pour clôturer en beauté, le 20 mars, Atlanta, Georgia. Great concerts in the presence of God. It's going to be amazing. Le 27 février, le 6 mars et le 20 mars à Washington, D.C., à Dallas et à Atlanta. All the ambassadors of my Jabu Gospel are going to be there. You don't want to be told. You don't want to miss it. Grab that ticket. C'est un programme à ne vraiment pas manquer. Merci d'y être très nombreux. Que Dieu vous bénisse. Oh,
sont dans les cieux, qui contrôlent toutes choses. Peu importe le temps ou les circonstances, je te fais confiance. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour eux très fort, s'il vous plaît? Quelle complicité! Nous assistons vraiment là à la montée d'une nouvelle génération de la musique gospel dans notre pays et qui sait, même à travers le monde. Ambassadrice Rosny, quel est votre avis? Ruth, grâce, que Dieu vous bénisse parce que ce soir, vous avez vraiment parlé à nos cœurs. Quelle complicité! C'était tellement bon, c'était merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Merci ambassadrice, je veux donner l'opportunité à Ruth de dire un mot au public qui t'aime et qui te soutient. Bonsoir la famille de Dieu, bonsoir à tous. Jambo kwa nini yote, mina wapenda sana. Juste vous dire, votez massivement pour la gloire de l'Éternel. Merci Ruth, grâce Chimanga. Jambo. Jambo enu, nasikia furaha kuwaona nyinyi wote. Yani teza waambia ni kuvote massivement na Mungu awabariki. À sainte et grâce, est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît? Vous pouvez regagner le backstage et on se retrouve dans quelques minutes. Appréciez à présent la complicité entre Kétian Payele et Princesse Metou. Sous vos applaudissements. Papa, c'est Yoshua Masiya. Nani aye, baki katia monte manan. Ata motu mi meka eli. Aye baki te ninye zala ki koleli sa monte manan mwasi. Thank you.
bien belle complicité. Est-ce qu'on peut les applaudir encore, s'il vous plaît? Merci, princesse. Merci, Kétia. C'était merveilleux ce que vous nous avez présenté ce soir. Pastor Lodge, quel est votre avis? Je trouve que leurs voix sont... leurs voix se marient très bien parce que Princesse, elle a la particularité de descendre vraiment dans les graves. Elle me rappelle beaucoup une des mamans dans le gospel congolais. Par contre, Kétia, elle va très haut dans les hauteurs. Et je trouve que ce mariage-là, à défaut de dire c'est le mariage du siècle en termes de voix, je trouve que c'est quand même parmi les top mariages qu'on a fait ce soir. Merci, Pasteur Lode. Merci, très très cher candidat. Je veux donner l'opportunité à chacun de s'exprimer, de dire un mot. Kétia, Bonnie. Hello, Nino Koyib Sabatou, Nyoso Bavota, Rayope Obalinga Kayo. Bonsoir, Pamoja. Je suis numéro 23. Je vous demande de me voter massivement. Merci beaucoup. Kétia Mpaele, candidate numéro 23. Je vais me tourner vers Princesse Bet, Biche. Bimba. Écoutez, s'il vous plaît. Besoin de concentration en ce moment, parce que je vais parler en Chiluba. Princesse Biche. Bimba Noël. Chingan Chujimwa, Kwambila Bantubos, Vajibakunanga. Jean parlant en Chiluba et les supporters crièrent. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Princesse, qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui t'aiment et qui te soutiennent? Moi, oui, Noé. Moi, Kadidje. Du coup, pas la connu du Lolo et du Bokoun Rambilani. Merci d'abord, Boalou, nous devons soutenir. Rafiki, mon final, mon demi-final. Alors, Jinu Lomba, Kanemu Konsubwani, Kanoué Keshiko Kuma Bokuto, continuez à y convoter, numéro 58. Merci beaucoup, princesse. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle pendant qu'elle regagne leur place dans le backstage? Merci, chère candidate. Merci beaucoup. Le prochain duo que je vais devoir accueillir, je suis très sûr, et je vous le promets, va mettre le feu sur ces podiums. Le duo est composé du candidat numéro 14. C'est qui le 14? Emmanuel Matondo, candidat numéro 14. Et le numéro 25, c'est qui le 25? Mesdames et messieurs, Emmanuel Matondo et Manasse Sina. Si, bonjour, je suis le bon nominé.
5 secondes de silence, s'il vous plaît. Alléluia. Allez, toque l'amour. Quel plaisir d'être à Pamodia en ce moment. Quel plaisir d'être à Pamodia en ce moment. Est-ce que vous êtes là? Curieusement, j'ai remarqué d'où j'étais, j'ai regardé la salle, il y en a qui n'ont pas bougé du tout. Alors, à ceux qui n'ont pas bougé, je vais leur poser la question comme Manassé. On y a la kate, on bouge à kate, on danse à kate. On y a la kate, on bouge à kate, on danse à kate. Merci Manassé. Merci beaucoup. C'était Manassé Sina et Emmanuel Matondo. Maman Déborah, qu'est-ce que vous avez à dire après cette prestation qui a mis le feu? Oh mon Dieu! Wow! Emmanuel, j'aime beaucoup ton énergie. Et ensemble avec Manassé, vous avez fait une fusion d'énergie. Et dans cette salle, on peut vraiment sentir que vous êtes remplis. Vous êtes vraiment remplis d'énergie, que le Seigneur continue à vous bénir. Et Manassé, tu nous surprends toujours. Que Dieu te bénisse. Alors, Manassé et Emmanuel, il faut dire que vous êtes à la porte de la finale. Est-ce que vous pensez que vous allez y accéder facilement? Emmanuel. Alors, tout est possible à celui qui croit. Mais comme Madjab le dit, Madjab, c'est de merveilles. On peut faire de merveilles. Alors, si seulement si vous me soutenez, vous tous, Kinshasa, RDC, le monde entier, c'est possible de faire de merveilles. La famille Philadelphie, le centre missionnaire Philadelphie. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux rappeler ton message ce soir, ton numéro? Je suis le numéro 14. Je suis le numéro... Yeah. Voilà. Et Manassé. Okoki Kolobani, Nippon Lapoko, Alelo. Pamodia, est-ce qu'on peut écouter Manassé? Est-ce qu'on peut écouter Manassé? Est-ce qu'on peut écouter Manassé? Merci. Sali. Zambo. Good morning. J'espère que vous allez bien. Premièrement, je me présente encore. Moi, c'est votre frère Manassé Sinda. Autrement dit, Manastar, chanteur, animateur et Jésus. Auteur des slogans Soukaina qui signifie meilleur. Merci pour vos soutiens.
Ceux qui le donnent comme une étape, donc c'est grâce à vous. En tout cas, vous continuez toujours que votre truc ça là bien. Mais n'oubliez pas, nous sommes à la zone des virages. Donc, ceux qui vont voter, ils vont aller vraiment. Mon ami, merci à toi. Merci à nos candidats. Nous les acclamons, nous les encourageons. Et donc, vous avez compris certainement ce soir, tous ne demandent qu'une chose, c'est de les voter et de les voter massivement. Si vous voulez les voir continuer cette course, si vous voulez le voir aller en finale, et comment le faire, regardez juste après ceci. Bayeli, tapez 23. Pour Alice Moussavouli, tapez 53. Et pour Ruth Kimongoli, tapez 56. À présent, mesdames et messieurs, chers publics, je vais vous présenter un duo des grâces. Accueillons avec chaleur Grâce Mouadi et Gracia Kabila. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bright as the morning star, Jesus, how can I tell you how beautiful you are?
grâce Mouadi et grâce à Kabila. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux, s'il vous plaît? Mesdames, est-ce qu'on peut s'avancer? Maman Sandra, qu'avez-vous à dire par rapport à ces prestations? Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que avant de dire quelque chose, j'ai envie de vous dire ceci. La salle ne s'est pas levée parce que nous avons savouré la maturité dans vos voix. Vraiment, pour moi, c'est deux grandes voix très matures. Et aujourd'hui, vous l'avez encore prouvé. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir? Eh bien, je vais donner l'opportunité à Grâce Mouadi d'adresser un message au public qui t'aime et qui te soutient depuis. Bonsoir, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Ce soir, j'aimerais demander à une personne de bien vouloir voter pour moi, parce que nous sommes déjà à la porte de la finale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grâce, les publics demandent une seule personne. Tu veux un seul vote? Je demande à tout le monde que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Grâce à Kabila, Mutoto Lubumbashi. Lubumbashi Muzima yuko kwangaria. Merci beaucoup, tonton Job. Ce n'est pas seulement Lubumbashi qui me regarde. Chez nous, on dit en Swahili, bonsoir, on dit Mangaribini. Donc, on répond à santé. Mangaribini. J'en profite de l'occasion pour dire merci au peuple quinois. En tout cas, moi, je ne me suis pas sentie, en tout cas, chez autrui. Je vous dis vraiment merci pour votre fair play. Merci beaucoup. Je demande au peuple de Dieu, si vous voulez voir la sœur Grâce Kabila continuer la compétition, vous n'avez qu'à me soutenir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît, pendant qu'elle regagne leur place dans le backstage? Merci, chers candidats. Merci aux deux Grâces pour leur magnifique prestation tout à l'heure. Alors, que vont chanter Félicité Mputu et Gédéon Pambani? Nous vous laissons le découvrir. Hey. Opesie samwele nabuya yonde kolo yabana e obesa kama bota e ai yena la baoyo goba kumisa yo e le quatre êtres vivants bajingeli na kitina yo zambe bazali kota tola yo zamo santu yawe kumama ah papa ema Destination Congo,
congolais, et comme il va y n'a est-ce que mon nom qui m'en croise à moi? Félicité Poutou, Gédéon Pambani. Magnifique prestation de tout à l'heure. Il faut dire que ce prime est riche en mélodies. Les talents jouent de leur voix pour vous représenter de très belles reprises. Ambassadrice Rosny Kaïba. Je vais commencer avec Félicité. Félicité. Je pense que si la défunte Marie Missamou était là, paix à son âme, elle allait aimer ce que tu nous as donné ce soir. Je peux dire avec beaucoup d'assurance que tu as très bien représenté la sœur Marie Missamou. C'était juste waouh! Que le Seigneur te bénisse. Gédéon, la même chose avec toi. Le pasteur Mike était bien représenté. Beaucoup de justesse à part. Un moment là, il y a eu un momboya, mais juste un seul. Mais à part ça, c'était très bien. Que le Seigneur vous bénisse. On les acclame, on applaudit pour les encourager. Alors, Félicité, que dire ce soir? Bonsoir. Premièrement, on a l'ingaïna l'obélanzambé, merci. Parce que yenda salinga ngolo, nazala liboso nabino. Vous êtes vraiment très, très chers pour moi. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour notre soutien. Pe bolingonyon sobotali siponanga jusqu'à présent. Et je vous prie encore, yako continuer. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci, Félicité. Et Gédéon. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Gédéon Pambani. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci pour votre soutien. Merci de voter massivement pour moi. Que Dieu vous bénisse. Certes, on est en demi-finale, mais nous voulons entamer déjà la grande finale. Et je vous prie de voter massivement pour moi, votre candidat que je suis, Gédéon Pambani. Autrement dit... Merci, merci. Pendant qu'ils regagnent leur place au backstage, nous acclamons pour les encourager. Et nous annonçons le prochain duo. Il s'agit de Christian Mapenzi et Alice Mouteba. My God is good, oh na 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 na. We are a chosen generation, called forth to show His excellence. All I require for life, God has given me, 'cause I know who I am. Oh, 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 oh.
choisi, appelé pour montrer son excellence. Pour cet ange, j'ai besoin de mes larmes, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Dieu, ou je suis en lui. C'est que j'ai en lui. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Dieu, ou je suis en lui. Ce que j'ai en lui, je sais qui je suis. Oh, je sais qui je suis. Oh, je sais qui je suis. Hey, I know who I am. Mapenzi et Alice Mouteba. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour eux, s'il vous plaît? Ils savent ce qu'ils sont et ils vous l'ont dit avec confiance. Maman Déborah, quel est votre avis? Je crois fermement que Christian et Alice pouvaient faire mieux ce soir. C'est vrai au niveau peut-être de l'arrangement. Vous avez des belles voix, c'est très beau, mais à ce niveau, nous voulons que vous puissiez dégager l'énergie, que les gens puissent vous voter. C'est au-delà, on sait déjà que vous êtes là parce que vous avez des jolies voix et vous êtes remplis. Mais dégagez l'énergie qui est en vous, et c'est ce qu'on a voulu voir ce soir. Mais à part ça, tout le monde sait que vous êtes des artistes, et c'est évident. Merci, Dieu maman Déborah. Christian, je vais te donner l'opportunité d'adresser un mot à ton public. Merci beaucoup déjà pour tout ce que vous êtes en train de faire pour moi depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai béni Dieu pour la vie de chacun de vous. Vous n'avez pas arrêté de me pousser plus loin jusqu'à là où je suis. Par la grâce de Dieu, bien sûr, par votre amour aussi, à travers vos votes, je suis où je suis, c'est la grâce. Alors je vous demande, si par cette même grâce que Dieu nous a accordée, que je parvienne à passer jusqu'en finale. N'arrêtez pas de penser à moi. N'arrêtez pas de me pousser de l'avant. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci Christian. Alice Mouteba. Batoto ba mukenya bena kwangaria ba mukatuba
Lubumbashi Mujima, Dunia Mujime na Kwangari. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Mina Bapika, merci parce que ni grâce yabo, tu m'as fait à Apaniko. Et Mita Bambia Bendele na kuvote Bashichoke parce que c'est des votes qui permettent parce que tout fiki à Patuko. Namunga Babar Kisana, Nabapena Pachiote Mouko. Je vous aime énormément. Merci beaucoup, Alice. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux pendant qu'ils regagnent leur place dans les backstage? Merci, très chers candidats, pour tout ce que vous avez partagé avec nous ce soir. L'un est de Kinshasa et l'autre nous vient des Bukavu. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Stevie Masamuna et Olivier Balola. Forever is a long time, but God loves you that long. I'll be committed to you. I'll never leave you. Nothing in this world could make me walk away. No matter what life may bring, I'll be by your side. No matter what you face, you won't be lonely.
Ne soyez pas radins. Des applaudissements, s'il vous plaît. Ne soyez pas radins. Des applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Pamodja. Olivier, Stevie. Avant même que je ne puisse prendre l'avis des membres du jury, moi-même je vais dire respect. Merci beaucoup, cher public. Est-ce qu'on peut écouter l'avis de l'ambassadrice Rosny après cette prestation? Stevie, Olivier, vous êtes... Attention, hein, je n'ai pas encore dit waouh. C'était très bien ce que vous avez fait. Je reconnais et je pense que personne ne peut me contredire. Vous êtes parmi les plus belles voix de cette saison de Majabu Talent. Cependant, j'ai quand même repéré quelques fausses notes et un manque de justesse. Ce n'était pas partout, mais il faut tenir compte de cela. Je sais que lorsqu'on fait des vibes et tout qu'on sort, c'est bien beau, c'est très bien, tout le monde aime. Mais attention, c'est la compétition, la justesse doit rester au point. OK? Mais à part ça, que le Seigneur vous bénisse, c'était très bien. Merci, ambassadrice. Avant que je ne puisse passer la parole au candidat, j'ai envie qu'on écoute Papa Léon Koulmatopé sur les prestations de ces deux candidats. Moi, je manque de mots et je ne veux même pas arrêter mes larmes parce que on a combattu pendant longtemps pour voir ça. J'ai vu ce que je voulais que le gospel soit dans ce pays et je peux mourir tranquillement en paix. Ne vous en faites pas. Que Dieu vous bénisse. Vous vivez encore pour longtemps. Vous vivez encore pour très très longtemps. Cher candidat Stevie, je vais te donner l'opportunité de dire un mot au public qui te soutient et qui t'accompagne depuis le début de la compétition. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ces lieux? Bételananzame mololo, bien. Voilà. Je suis le frère Stevie, je suis le numéro 37. Je tiens à vous remercier pour votre soutien jusque-là. Tindena komiawa dans les arapona bino. Et je vous prie de bien vouloir continuer à voter et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci Stevie. Olivier, qu'est-ce que tu as à dire à tous ces gens qui t'aiment et qui te soutiennent? Batote tu abukavu na bapenda sana. Kinshasa na wapenda sana. Je suis arrivé ici à Kinshasa et vraiment c'est la continuité de la famille. Je vous aime beaucoup. C'est votre candidat numéro 42, Olivier Balola. Mwendele na voter, mwendele na kunichagua. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les applaudir pendant qu'ils regagnent le backstage, s'il vous plaît? Merci. Retrouvons à présent un duo exceptionnel. Ce duo est composé du candidat Christian Mukuna et Israël Kalonji, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ah, comme on l'a eu, voyez Yesu. Yes, we can move on. We can build a male. Sanga wani wakwe mena siwewe yo.
Betwa mololo mololo e Sama kwe menasange Sama kwe menasange Sama kwe menasange Sama wani wakwe menasange Hey yo 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 Chilengela chalwendo nzambi wani weyo Papa wange Papa yoyo yoyo Papa wange Papa yoyo 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 Wanabuya ye muwezi lage Papa yoyo yoyo Kukwakwe nabukwe yetu Papa wange Papa yoyo yoyo Ulini mesu mujimi akajilu Papa wani we Ulini mwasa buka mwaka mitaku nzambi wani we et Christian Mukuna. Est-ce qu'on peut les applaudir comme il faut, s'il vous plaît? Maman Sandra, votre avis? Waouh, waouh, waouh. J'aurais aimé que le coach, Michael parle, parce que la première fois que Christian a souri sur le stage, il lui a dit que Christian, tu ne sais pas ce qu'un sourire peut faire. Et aujourd'hui, tu as fait au-delà de ce qu'on s'attendait de toi. Vraiment, que le Seigneur te bénisse pour ta présence scénique. Israël, waouh. Israël, j'ai envie de te dire quelque chose depuis qu'on a commencé. Majabou Talent, tu es parmi les candidats qui sont restés constants. Et c'était un plaisir de te voir dans ça. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, Christian. Un mot à tous ceux qui t'aiment et te soutiennent. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir à tous. Est-ce que vous avez dit Est-ce que vous avez dit 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 que Papa, Yahweh,
soit on gagne. Votez pour le numéro 7. Merci beaucoup, Christian. Israël, qu'as-tu à dire à tous ceux qui t'aiment et qui te soutiennent? Bonsoir. Batatulima Mamoye. Voilà, même à nous, Israël Kalonji, numéro 57. Donc, nous avons beaucoup de l'ombre. Nous avons voté bien bon. Donc, pour voter, je suis le numéro 57 et Dieu ne manquerait pas de vous bénir. Je vous aime énormément. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux pendant qu'ils regagnent les backstage? Merci beaucoup, Israël. Merci, Christian Mukuna. Mesdames et messieurs, chers publics, il ne reste plus qu'un seul duo avant que nous ne puissions passer aux éliminations et entamer la deuxième partie de la soirée qui sera faite des improvisations des candidats qui sont qualifiés pour la finale. Ce dernier duo est composé des candidats phénoménaux qui vont faire un mélange. Vous aurez le plaisir de vivre cette soirée en exclusivité. Le frère Carlito Lassa mélangé au frère Patrice Ngoï. Et cette exclusivité sera réalisée pour vous par les candidats Pascal Mitonga et Alain Paloukou, qu'on applaudit très fort. Et bon, voyez, soit salé, bisous, mon loup. Ton copain, ça y est, c'est mon loup. A toi, qui est bon, père de Koumou. Merci. Alléluia. Bokotuna, nanganini, salé, t'en a comme un consalé, la yasumasia. Solomon tune tunami zamenda ke la kanga. Cela est le mot bon à capelle de la bateau.
Alain Paloukou et Pascal Mitonga. Je vois l'ambassadrice Rosny qui ne sait même pas se rasseoir. Est-ce qu'on peut applaudir pour aider l'ambassadrice Rosny à se rasseoir, s'il vous plaît? Ambassadrice Aboi Kovanda. Tellement émue, tellement emportée, tellement surprise. Merci, ambassadrice. Alors, il faut dire que c'est une soirée qui a commencé par le duo. Et les talents nous ont montré comment est-ce que, de manière exceptionnelle, ils pouvaient le faire ce soir. Pasteur Laude, que dire de cette prestation qui a mis tout le monde, qui a satisfait tout le monde, disons-le. Maman Grâce, déjà, de la manière dont ils sont habillés, ils sont en symbiose. Okay. Et je pense que c'est la meilleure prestation de la soirée, honnêtement. Et pour moi, ça ne m'étonnerait pas du tout de voir les deux jeunes gens au-delà de la compétition. Déjà dans la compétition, ça ne m'étonnerait pas de les voir au sommet. Mais au-delà de la compétition, ça ne m'étonnerait pas que dans leur carrière, dans leur destinée, qu'ils aillent le plus loin possible. On sent une telle cohésion, on a senti ce soir une telle cohésion entre eux que c'est juste bluffant et extraordinaire. Merci, Pasteur Laude. Alors, Alain Paloukou, qu'est-ce que tu dis ce soir? Alléluia! Nalingina yo comme tout moko koloba merci. Gloire au Seigneur. Ce que je peux dire ce soir, minataka nawa omba. Nawa si wandugu zangu wa Sud Kivu wa Kinshasa na inchi za inje. Munisapoti. Neema Mungu ametupatia. Kibali Mungu ametupatia. Kamafuta kadogo Mungu ametupatia. Mutuchagule sasa. Bo vote ngai bandero nanga eza swahili kaka tende na lobaka. Hein, votez moi ma famille. Je crois le Dieu de ma grâce ne vous décevra pas. Merci Alain Paloukou. Pascal. Bonne année. Bonne année. Malgré que tout ça en février, ma bonne année n'a pas continué. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis tellement fier de vous. Merci beaucoup. Si on a commis une demi-finale, alors, ça n'a pas été facile. Tout est vraiment, vraiment musica. Et ce qui est noté, alors, je vous demanderai encore de nous soutenir. Attention aux compétitions, si l'idée, si la leçon soit dimanche, continuez de nous soutenir. Merci beaucoup. Merci Pascal. Et nous applaudissons pendant qu'ils regagnent leur siège au backstage. Merci à vous. Merci beaucoup, cher public, chers téléspectateurs. C'est les derniers virages de la compétition que nous entamons à présent. Et comme vous le savez, vous avez un pouvoir extraordinaire. Vous disposez des 40% pour inverser la balance, alors que le jury dispose des 60%. La marche à suivre pour le vote, c'est dans cet élément. Pour voter votre candidat Majabou Talent en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Téléchargeons l'application Majabou Talent sur App Store ou Play Store. Rendez-vous sur www.majabutalent.com à partir de votre téléphone, tablette ou ordinateur. Cliquez sur « Votez votre candidat ». Vous serez dirigé sur la liste des candidats. Faites votre choix sur le nombre de votes et la devise. Cliquez sur « Payer ». Une fenêtre va s'ouvrir. Allez sur « Créer votre compte ». Donnez toutes vos informations, ensuite validez sur « Inscrire ». Une fois l'opération réussie, vous recevrez une preuve de confirmation de votre vote. Majabou Talent, let's share the dream. Comme nous l'avions annoncé au départ, cette soirée sera faite des deux temps forts. Mais entre les deux temps forts va intervenir les éliminations. Vous avez suivi toutes les prestations qu'il fallait pour la demi-finale, les duos entre deux candidats. Mais avant que nous ne puissions entamer les éliminations, mesdames et messieurs, nous allons savourer une prestation merveilleuse et particulière. Nous l'avons présenté au début de l'émission. Il est de la génération de ceux qui ont
moderniser le gospel congolais. Il est de la génération de ceux qui ont révolutionné la musique gospel en République démocratique du Congo, en compagnie des vieux, on peut se rappeler des Jim Sawaski. Mesdames et messieurs, Pamoja, en exclusivité pour vous ce soir, le frère Léon Koulmatopé. Yozali Nzambe, Nzambe Bolingo, Isika Kufa Ezali. Yozali Nzambe, Nzambe Namawa. Alléluia. Il est le seul, l'unique, le véritable. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Très fort. Donnez-lui une bonne offrande d'adoration. Sama, sajola ma, kumama, kolo yesu.
Okay.
tele mayo sala bikamo katina bomoi haleluya misuki kimya pero bikolanga Merci beaucoup. Comme vous le savez, on est là pour la suite de la soirée. Mesdames et messieurs, l'heure est venue à laquelle nous allons connaître le 12 finaliste de la première édition de Majabu Talent. Très respectueusement, je vais inviter Maître Blaise, le huissier de justice, à me ramener l'enveloppe contenant les résultats. Merci, Maître Blaise. Je vais vous demander d'ouvrir la caisse. Et d'y mettre les bouts. Merci, Maître Blaise. Je tiens entre mes mains
l'enveloppe certifiée des résultats ainsi que les clés de la machine qui contient les boules des premiers lots des candidats que je vais devoir inviter pour les éliminations. Je vais faire appel à Charité Nguessera, Olivier Balola, Rodi Mabiala, Grace Mouadi, Emmanuel Matondo, Stevie Masamuna, Rabi Mouya, Ketian Payele, Gédéon Pambani, Félicité Mputu, Israël Kalongi et Manasseh Sinda. Nous allons procéder à l'élimination. Je vais expliquer les principes. Il y a des boules dans cette machine. Je vais demander à un candidat de s'avancer, tirer une boule et me la remettre. Et moi, je vais lire ce qui sera écrit dans les papiers contenus dans la boule. C'est simple et c'est rapide. Je vais demander à Gédéon Pambani de s'avancer. Cher ami Gédéon, charge. Tu as la responsabilité de tirer une boule. Tu peux l'ouvrir et me remettre le papier qu'il y a dedans. Je vais simplement lire ce qui est écrit. Cher public, j'aimerais vous dire que ceci n'est pas du tout un jeu de hasard. Tous les résultats ont été certifiés par le huissier de justice. Et vous savez que l'enveloppe, elle m'a été remise ici, sous vos yeux. Ce n'est donc pas du tout un jeu de hasard. Cette partie, c'est juste une façon de présenter. Une manière pour nous de garder les suspens, comme vous le savez. Je vais lire les contenus de la boule qu'a tiré Gédéon. Stevie Masamuna, un talent hors pair, une voix fabuleuse. La décision du public ainsi que du jury atteste que tu es qualifié pour la finale. Merci beaucoup. Stevie, tu peux très rapidement regagner le backstage, s'il te plaît. Je veux demander à Félicité de s'avancer. Félicité, tu vas tirer une boule et me la remettre. Merci. Tu peux t'éteindre à côté. Je rappelle, mesdames et messieurs, que ceci n'est pas du tout un jeu de hasard. C'est les cumuls des notes du jury ainsi que de votes du public certifiés par un huissier de justice.
Je vais demander à Charité Nguessera de faire un pas. Charité, tu es les candidats les moins bavards de tous. C'est certain que en classe, ton nom ne s'est retrouvé jamais sur la liste des bavards. Seulement, le public qui te regarde, ainsi que les membres du jury ici présents, ont décidé que pour toi, Charité, la compétition s'arrête là. Est-ce qu'on peut applaudir Charité, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je vais demander à Rabi de s'avancer. Cher Rabi, je vais te demander de tirer une boule. Tu stresses, tu peux me la remettre. Merci. Je vais ouvrir la boule que m'a remis Rabi pour découvrir les résultats. Je vais demander à Israël de s'avancer. Est-ce que vous avez aimé les prestations d'Israël? Est-ce que vous êtes conscient qu'Israël a un talent exceptionnel? Israël Kalonji, ce soir, je viens t'informer que ton billet Congo Airways est prêt et tu retournes en Bougimaï. Pour voter votre candidat Majabutalent en ligne, si simple, rapide et sécurisé. Téléchargeons l'application Majabutalent sur App Store ou Play Store. Rendez-vous sur www.majabutalent.com à partir de votre téléphone, tablette ou ordinateur. Cliquez sur « Voter votre candidat », vous serez dirigé sur la liste des candidats. Faites votre choix sur le nombre de vote et la devise. Cliquez sur « Payer », une fenêtre va s'ouvrir. Allez sur « Créer votre compte ». Donnez toutes vos informations, ensuite validez sur « Inscrire ». Une fois l'opération réussie, vous recevrez une preuve de confirmation de votre vote. Majabutalent, let's share the dream. Je vais demander à Emmanuel Matondo de faire un pas. Tu peux tirer une boule et me la remettre. Je demande à Manassé Sinda de se tenir au centre. Merci. Merci. Manassé. Rien que par la réaction du public, on peut tous déduire que le public aime ce que tu fais. Chaque fois que ton nom est cité, c'est du bruit. Si on est conscient que le public aime ce que tu fais, on se demande alors, est-ce que tes prestations ont convaincu suffisamment? Manassé Sinda, j'ai une nouvelle à t'annoncer.
Et l'annonce, c'est que tout le monde veut te voir en finale, Manassé. Mesdames et messieurs, Manassé Sinda est qualifié pour la finale. Princesse, je vais t'inviter à me rejoindre. Cher public, vous qui nous suivez chez vous à la maison, je le répète, ceci n'est pas un jeu de hasard. C'est les résultats cumulés des notes du jury et de vos votes, certifiés par un huissier de justice. Rien à voir avec les hasards. Je vais devoir lire les contenus de la boule que m'a remise Princesse Betou. Je vais demander à Kétien Paélé de s'avancer. Kétien Paélé. On la surnomme comment encore? Autotune. Autotune. Parcours exceptionnel et convaincant, en tout cas, du point de vue du jury, au vu de toutes tes prestations. Et donc, la question c'est, est-ce que tu as réussi à convaincre le public? Kétien Paélé. Je suis très ému de pouvoir t'annoncer ce soir que... Pour voter votre candidat Majabou Talent en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Téléchargeons l'application Majabou Talent sur App Store ou Play Store. Rendez-vous sur www.majabutalent.com à partir de votre téléphone, tablette ou ordinateur. Cliquez sur « Votez votre candidat », vous serez dirigé sur la liste des candidats. Faites votre choix sur le nombre de votes et la devise. Cliquez sur « Payer », une fenêtre va s'ouvrir. Allez sur « Créer votre compte ». Donnez toutes vos informations, ensuite validez sur « Inscrire ». Une fois l'opération réussie, vous recevrez une preuve de confirmation de votre vote. Majabou Talent, let's show the dream. Je suis très ému de pouvoir t'annoncer ce soir que tu pars en finale! Je vais demander à Grace Mouadi Merci Grace. Mesdames et messieurs, cher public, il est important de préciser que ces boules ne contiennent que les noms des candidats. Les résultats sont ceux qui m'ont été remis dans l'enveloppe par le huissier de justice.
J'ai le nom d'Ala Boule. Rodi Mabiala, candidat de Lubumbashi, Mbiaka. Ton parcours jusqu'ici, il a été particulier, exceptionnel. Rodi, ce soir, je t'informe. Que ton parcours dans la compétition s'arrête là. Est-ce qu'on peut applaudir pour Rodi, s'il vous plaît? Olivier, tu vas t'avancer. J'ai dans cette boule le nom d'un candidat dans l'enveloppe qui m'a été remise par l'huissier de justice, les résultats de vos votes compilés aux notes du jury. Quelle coïncidence. Olivier, je vais te demander de faire un pas en avant. Olivier, tu es un talent exceptionnel. Une voix angélique. Et tu nous as offert des interprétations pures. Olivier Balola, je t'annonce ce soir ton retour à Bukavu. Ton parcours dans la compétition s'arrête là, Olivier. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce qu'on peut applaudir pour Olivier? Merci. Pour voter votre candidat Majabu Talent en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Téléchargeons l'application Majabu Talent sur App Store ou Play Store. Rendez-vous sur www.majabutalent.com à partir de votre téléphone, tablette ou ordinateur. Cliquez sur « Voter votre candidat ». Vous serez dirigé sur la liste des candidats. Faites votre choix sur le nombre de votes et la devise. Cliquez sur « Payer ». Une fenêtre va s'ouvrir. Allez sur « Créer votre compte ». Donnez toutes vos informations, ensuite validez sur « Inscrire ». Une fois l'opération réussie, vous recevrez une preuve de confirmation de votre vote. Majabu Talent, let's share the dream. Je reviens à Gédéon, à qui je vais demander de venir tirer à nouveau une seconde boule. Je vais demander à Emmanuel de s'avancer. Emmanuel Matondo. Quel parcours! Je vais rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs en rappelant qu'Emmanuel, au départ, était un silver. Puis, repêché. Comme Gold. Et depuis, il nous a emballés au travers de ses prestations. La question, c'est vrai qu'Emmanuel nous a emballés, mais est-ce que on en veut encore plus ou nous en avons assez de lui? Emmanuel, je viens te le dire en te regardant droit dans les yeux, que le public et les jurys ici présents
a décidé que tu as ta place à la finale. Rabbi Mouya, peux-tu t'avancer, s'il te plaît? Merci, Rabbi. Je vais demander à Gédéon Pambani de s'avancer vers les centres. Comment on l'appelle encore? Tu as bravé tous les primes jusqu'à te retrouver en demi-finale de cette grande compétition. Tu as été déchargé de la lourde responsabilité d'aller en finale et ton parcours s'arrête là. Est-ce qu'on peut applaudir pour Gédéon? Félicité, approche et donne-moi une boule, s'il te plaît. Merci. Cher public, il n'est pas question ici d'un jeu des hasards. Je vais demander à Rabbi de s'avancer. Rabbi Mouya, une voix angélique. Un adorateur. Est-ce que tes cantiques ont captivé le peuple de Dieu? Rabbi, la réponse est simple. Elle n'a que trois lettres. C'est oui. Rabbi, tu poursuis l'aventure et tu es qualifié pour la grande finale de Match Abu Talent. On applaudit pour Rabbi. Merci Rabbi. Tu peux regagner très rapidement les backstage. Princesse, tu pourrais venir s'il te plaît. Donne-moi une boule. Je vais inviter Félicité à rejoindre les centres. De Kisangani à Kinshasa, de la soirée d'ouverture à la demi-finale. C'est un parcours surprenant. Félicité. Mais est-ce que tu vas atteindre la finale? Félicité, je veux te le dire, je vais te demander de relever ta tête, je vais te dire que Match Abu Talent, pour toi, s'arrête là. Merci Félicité, on applaudit pour Félicité. Pour voter votre candidat Match Abu Talent en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Téléchargeons l'application Match Abu Talent sur App Store ou Play Store. Rendez-vous sur www.matchabutalent.com à partir de votre téléphone, tablette ou ordinateur. Cliquez sur « Voter votre candidat ». Vous serez dirigé sur la liste des candidats. Faites votre choix sur le nombre de votes et la devise. Cliquez sur « Payer », une fenêtre va s'ouvrir. Allez sur « Créer votre compte ». Donnez toutes vos informations, ensuite validez sur « Inscrire ». Une fois l'opération réussie, vous recevrez une preuve de confirmation de votre vote. Match Abu Talent, let's show the dream. Grâce Mouadi, reviens.
Il reste deux candidates. Mais je n'avais plus qu'une seule boule. Peut-être que l'une d'entre elles est venue plus tôt que prévu. Mais n'empêche, son sort sera connu. Encore une coïncidence, grâce. Merci. Princesse, est-ce que tu peux avancer et rejoindre grâce? La personne qui poursuit. Je l'ai dit tout à l'heure. Je n'ai qu'une seule boule. Elles sont à deux. L'une d'entre elles est peut-être venue plus tôt que prévu. Qu'à cela ne tienne, on va sceller le sort de l'une d'entre elles. Ce soir, grâce moi dit, tu poursuis l'aventure. Merci, grâce. Tu peux rejoindre rapidement le backstage. Je vais inviter l'huissier de justice à me ramener le deuxième lot de boules à remettre dans notre machine. Merci, maître Blaise. Comme je le disais, cher public, il n'est point question d'un jeu de hasard. Merci. Peut-on me faire monter les candidats restants, s'il vous plaît? Je vais inviter Pascal à s'avancer. Cher Pascal, tu vas tirer une boule et me la remettre. Merci. Je vais inviter Olga Grasse à faire un pas. Tu peux te tenir au centre. Olga Grasse Assoumani, une voix exceptionnelle. Tu peux monter dans des hauteurs et alors, exceptionnel. Tu vas dans les hauteurs, mais est-ce que le public t'a permis de garder la tête haute? Olga, je t'annonce que tu vas retrouver ta famille. La compétition pour toi s'arrête là, Olga. Est-ce qu'on peut applaudir pour Olga, s'il vous plaît? Merci. Je vais inviter Ruth. Quel est le nom qui est caché dans la boule que m'a remise Ruth Kimongoli? Pascal Mitunga fait un pas en avant. Pascal, je pense que l'aventure s'arrête. Peut-être pour les autres, mais pas pour toi parce que tu vas en finale. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Pascal. Tu peux regagner les backstage. Pour voter votre candidat Majabou Talent en ligne,
aussi simple, rapide et sécurisé. Téléchargeons l'application Majabutalint sur App Store ou Play Store. Rendez-vous sur www.majabutalint.com à partir de votre téléphone, tablette ou ordinateur. Cliquez sur « Voter votre candidat ». Vous serez dirigé sur la liste des candidats. Faites votre choix sur le nombre de vote et la devise. Cliquez sur « Payer ». Une fenêtre va s'ouvrir. Allez sur « Créer votre compte ». Donnez toutes vos informations, ensuite validez sur « Inscrire ». Une fois l'opération réussie, vous recevrez une preuve de confirmation de votre vote. Majabutalint, let's share the dream. Alice Moussavouli. Alice, tu peux tirer une boule et me la remettre. Merci. Que nous révèle la boule que Alice nous remet? Alain Paloukou, tu peux avancer. Tu te retrouves à présent le seul représentant de la province du Sud Kivu. Olga et Olivier étant éliminés. Vas-tu continuer à représenter ta province? La réponse, Alain, c'est oui. Tu rejoins la finale de Majabutalint. Merci beaucoup, Alain. Merci, Alain. Grâce Chimanga, avance-toi, donne-moi une boule. On va lever le suspense sur ce que contient la boule que m'a remise Grâce Chimanga. Ruth Kimongoli, un pas en avant. Ruth, pas besoin de te vanter, tu as une belle voix. Avec toi, on va y aller directement, sans suspense. Ruth, tu quittes le stage Majabutalint pour aller te préparer parce que tu nous reviens pour la finale. Merci, Ruth Kimongoli. Alice Muteba, je vais te demander de t'avancer, de tirer une boule et de me la remettre. Le nom de Christian Mapenzi. Tu peux t'avancer vers les centres. Candidat de la ville-province de Kinshasa en demi-finale de la compétition Majabutalint. Christian, est-ce que Kinshasa a suffisamment voté pour toi afin de te donner l'opportunité de rejoindre la finale de cette grande compétition? La réponse est simple et c'est trois lettres. Non. Pour toi, l'aventure s'arrête là. Je vais te demander de rejoindre Olga. Tapez 23. Pour Alice Moussavouli, tapez 53. Et pour Ruth Kimongoli, tapez 56. Grâce à Kabila, avance-toi. Quelle coïncidence! Grâce, la boule que tu m'as remise contient ton nom. Je vais donc te demander de t'avancer vers les centres. Sans détour, je veux t'annoncer que ton parcours a été exceptionnel dans cette compétition. Mais ce soir, Grâce,
Tu rentres à Lubumbashi parce que pour toi, la compétition s'arrête là. Est-ce qu'on peut applaudir Grâce? Je vais te demander de rejoindre Christian et Olga. On se retrouve tout à l'heure. Christian Mukuna, avance-toi s'il te plaît. Alice Moussavouli, je te demande de faire un pas. Alice, les jurys, le public de Goma, de la RDC et de tous ceux qui suivent Madjabou Talent à travers le monde, me charge de te dire très simplement que tu pars en finale. Naomi Kianonga, peux-tu me rejoindre s'il te plaît? Merci Naomi. Cette boule contient le nom de la candidate Alice Muteba. Tu t'avances. Sur base de vote du public et des notes du jury, quel est ton sort, Alice? Telle est la grande question. La réponse à cette question, nous la retrouvons juste après la pub. Ayeli, tapez 23. Pour Alice Moussavouli, tapez 53. Et pour Ruth Kimongoli, tapez 56. Alice, lorsque tu nous racontais ton histoire, tu disais que c'est ta sœur qui t'a poussé à faire la musique. Ce soir, ta sœur peut être très fière de toi. Et surtout, très heureuse. Pourquoi? Parce qu'après ce soir, vous allez pouvoir chanter ensemble. Donc tu retournes à Lubumbashi. Merci Alice, je vais te demander de rejoindre. Princesse, viens. Naomi Kianonga, je vais te demander de t'avancer d'un pas. Naomi, je vais le dire simplement et directement. Naomi Kianonga, candidate de la ville province de Kinshasa. Grâce à notre partenaire, Carnayo, tu seras très bien reconduit à la maison parce que tu quittes la compétition. Est-ce qu'on peut applaudir pour Naomi, s'il vous plaît? Chimanga Grâce, est-ce que tu peux revenir? Merci. Princesse, en ce moment précis, tu es dans l'avion Congo Airways. En cet instant précis, tu es dans l'avion Congo Airways. Tu sillonnes la République démocratique du Congo. Reste à savoir où est-ce que ton avion va atterrir. Princesse,
ton avion Congo Airways atterrit à l'aéroport d'Njili, où tu rejoins la finale de Majabu Talent. Merci, princesse. Christian Mukuna. Tu progresses dans cette aventure et dans cette compétition. La question, c'est jusqu'où vas-tu aller? Est-ce que ton public t'a propulsé jusqu'en finale? Ou finalement? Mukuna. Ce prime est à la fin. Et Christian, je t'annonce que pour toi aussi, Christian, je t'annonce que pour toi, c'est la fin de la soirée et les débuts des préparatifs pour la finale. Je vais tirer moi-même la dernière boule. Il me reste une seule candidate. Grâce Chimbanga, je viens t'annoncer ce soir que Grâce Chimbanga, je viens t'annoncer que tu as gagné un billet retour pour Congo Airways parce que tu rentres à Goma. Pour toi, l'aventure s'arrête là. Est-ce qu'on peut applaudir pour Grâce, s'il vous plaît? Thank you.
Cher public, voilà, et nous sommes à la fin. Vous avez choisi le 12 finaliste de cette compétition Majabu Talent. Et je vais les inviter tous à me rejoindre sur ces stages. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le 12 finaliste de Majabu Talent, Christian Mukuna, Grâce Mouadi, Emmanuel Matondo, Rabi Mouya, Princesse Betou, Alain Paloukou, Kétian Payele, Rutski Mongoli, Alice Moussavouli, Stevie Massamouna, Manasse Sina et Pascal Mitonga. Je vais vous inviter, mesdames et messieurs, à pouvoir voter pour les candidats finalistes de cette compétition Majabu Talent. Votez vos candidats préférés. Votez en fonction de toutes leurs prestations le long de la compétition, parce que c'est ça qui va le permettre d'être classé à la grande finale qui intervient ce 20 février 2022. Je rappelle, la finale qui intervient, c'est dimanche 20 février 2022. À partir de cet instant, mesdames et messieurs, votez pour vos candidats préférés, parce que le prime des dimanches, c'est un prime qui va nous permettre de classer le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au douzième. Est-ce qu'on peut finir ce prime en beauté et en danse? Musiciens, à vous! Allons-y, on y va! Merci, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir. C'était la demi-finale de Majabu Talent. Vous connaissez à présent les 12 candidats qualifiés pour la finale. Ils sont là devant vous. Merci de voter.